Salut Kingo, salut Quinos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera ni plus ni moins qu'une enquête. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié d'enquête, tout simplement parce que j'avais pas trouvé de sujet suffisamment fun pour vous divertir à la hauteur de ce que vous méritez. Mais là, je suis tombé sur un bon gros délire et je suis à peu près sûr que ça va vous plaire, j'ai hâte d'avoir vos retours. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique un petit peu mystique que j'ai découverte et qui s'appelle l'hypnose régressive ésotérique. C'est un style d'hypnose qui permet de guérir vos problèmes ou en tout cas d'essayer d'en comprendre la cause en vous connectant à vos vies antérieures à l'aide d'un télépathe. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Je vous emmène, générique. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un tueur en série qui a tué plus de 530 personnes. Il a été condamné à mort et depuis c'est devenu un fantôme qui a été condamné à errer pour l'éternité. Ce fantôme, il s'appelle Cyberghost et pour se racheter de ses horribles crimes, il a décidé d'aider les vivants à sécuriser leur connexion internet. Et pour ça, il a fondé Cyberghost VPN car c'est un businessman, ou plutôt un business ghost. Cyberghost VPN vous permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+, vous les connaissez mieux que moi. Grâce à son sens aiguisé du business, Cyberghost VPN s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux de la sécurité en ligne avec plus de 38 millions d'utilisateurs et comme l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. En plus, Cyberghost VPN est très respectueux de votre vie privée, il n'a aucune idée de ce que vous faites en ligne et il ne garde aucune information sur vous. Vous pouvez donc y aller sur les trucs très 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 crado. Vous pouvez utiliser Cyberghost VPN sur 7 appareils en simultané, c'est super pratique si vous avez des amis. Cyberghost VPN est évidemment compatible avec tous les systèmes d'exploitation que vous connaissez, iOS, macOS, Windows, etc., etc. La seule faille du fantôme, malgré son sens des affaires, c'est qu'il est beaucoup trop généreux. En effet, grâce au lien que je vous mets en description, vous aurez moins 83% de réduction sur votre abonnement, soit 2,03€ par mois, avec en plus 4 mois gratuits. En plus de tout ça, il y a un support H24 7 jours sur 7 en français, ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors, je vous le demande une dernière fois, mais qu'attendez-vous pour apaiser cette âme en quête de rédemption? Bien, on peut y aller. Commençons par le commencement, qu'est-ce que l'hypnose régressive ésotérique, aussi appelée hypnose régressive quantique ou hypnose régressive spirituelle? Alors déjà, il faut comprendre que c'est assez différent de l'hypnose classique, dite hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose que vous allez utiliser si vous voulez arrêter d'avoir peur en avion ou arrêter de fumer par exemple. L'hypnose régressive ésotérique, c'est donc un protocole un petit peu différent, mais le mieux c'est que je laisse la parole à une praticienne pour vous expliquer ce que c'est. Le Quantum Healing Hypnosis Technique, en français, je l'ai retraduit hypnose régressive quantique pour que ce soit plus compréhensible pour le public francophone. Sa technique est géniale parce que au-delà de... En fait, elle nous permet d'aller régresser dans des vies antérieures et aussi de se connecter au subconscient de la personne, c'est-à-dire à son higher self, sa grande conscience, sa partie divine en fait. En hypnose ericksonienne, il y a aussi cette... En fait, on lit un script, il y a des protocoles existants où la personne est simplement en état d'hypnose, mais ne va pas forcément agir. Alors que là, ce qui est génial, c'est qu'il y a de l'interaction entre le praticien et la personne qui est sous hypnose. Et en fait, c'est elle qui va nous raconter ce qu'elle voit. Nous sommes des guides. En fait, on va juste leur tenir la main et on va les guider. En fait, on va faire des allers et retours dans le temps, parfois dans une vie, parfois dans plusieurs. Et puis, on va aller trouver des problèmes qui sont d'origine karmique, parfois, qui sont en résonance, en fait, avec sa vie de maintenant. Vous voyez un petit peu le délire? En gros, notre corps physique subirait l'influence de nos vies passées, ce qui pourrait expliquer nos problèmes dans le présent. Nous sommes un corps multiple, comme espèce de poupée russe, et que notre partie physique est juste la plus petite des poupées à l'intérieur de toutes ces poupées russes. Il y a donc un soi, ce qu'on pourrait appeler une âme, que nous appelons une partie éthérique. Il y a au-dessus une partie supérieure à nous. Donc, votre vous physique, celui qui est actuellement en train de regarder cette vidéo et qui devrait pas tarder à mettre un like, est en fait la première feuille d'un espèce d'énorme millefeuille spirituel. Désolé, j'ai pas trouvé mieux que le millefeuille comme métaphore. Mais toujours est-il que, dans toutes les autres feuilles de ce millefeuille spirituel, vous êtes susceptible de subir des interférences dues à des entités. Des entités extérieures viendraient agir sur la personne dans le plan physique, ou dans le plan entre les deux vies, pour venir créer des traumatismes qui pourraient expliquer
des addictions éventuelles. Ces interférences n'ont donc rien à faire dans cet espace qui est le vôtre, et donc en théorie, une séance d'hypnose régressive ésotérique vous permet de les expulser et ainsi de vous soigner de certaines douleurs ou de vous permettre de vous affranchir de certaines peurs que vous avez qui sont dues à vos vies passées. C'est jamais dit tel quel sur les sites parce qu'ils sont assez prudents, mais concrètement, ça prétend quand même un petit peu vous soigner. Si vous n'arrivez pas à visualiser le truc, c'est normal que ce soit encore un peu cryptique à ce stade. Heureusement, il y a beaucoup de praticiens d'hypnose régressive ésotérique qui mettent sur YouTube les replays des séances avec leurs clients. Et on parle pas de chaînes forcément microscopiques, mais de chaînes qui peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, donc c'est quand même un phénomène qui est assez important et auquel pas mal de gens adhèrent. Les séances d'hypnose régressive ésotérique sont toujours un petit peu structurées de la même manière. Dans un premier temps, le client va rappeler ce pourquoi il est venu, quelles sont les problématiques qu'il a envie de résoudre. Pour vous faire une idée, je vous ai fait une petite compile de différentes raisons pour lesquelles les gens viennent consulter ce type d'hypnotiseur. Laurence ne se sent pas légitime dans la vie, elle manque de confiance en elle. Son rapport aux autres est entaché par la peur constante de ne pas être assez intéressante. Elle souffre de migraines, vertiges, maux de ventre et de douleurs au cervical. Jackie souffre de nombreux dysfonctionnements physiques sans jamais réussir à en trouver les causes et les solutions. Il souffre également des effets secondaire du vaccin Covid. Monique rencontre depuis longtemps des problèmes relationnels importants avec les hommes, ce qui l'empêche de s'inscrire dans des relations émotionnelles satisfaisantes. Elle souffre de plusieurs problèmes physiques plus ou moins inexpliqués. Nathalie traîne une malchance depuis le début de son existence. Elle est seule et elle manque d'amour à tous les endroits de sa vie. Sylvain rencontre dans sa vie de nombreux blocages dont il ne parvient pas à se débarrasser, difficultés pour s'affirmer, difficultés à passer à l'action, peur de la maladie, du temps qui passe, addiction au sucre et au grignotage. Sandrine est en conflit avec sa mère depuis toujours, elle souffre de blocages constants dans sa vie professionnelle et personnelle, elle ne se sent pas légitime à recevoir de l'argent pour son travail ou ses réalisations. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des problèmes de nature assez variés, que ce soit du psychologique, du physique, de la confiance en soi. Dans tous les cas, ce sont des problèmes pour lesquels il existe des spécialistes dans la médecine, on va dire, traditionnelle. Dans tous les cas, quand on lit ces descriptions, on se dit que ces gens sont dans une certaine souffrance, ils ont l'air un petit peu paumés, et ils font appel à cette méthode d'hypnose pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Cette pratique, elle a quand même un coût assez élevé, parce que pour une séance d'une heure, une heure et demie, il faut compter minimum 200 euros, et évidemment, j'ai trouvé des praticiens qui facturaient 300-400 euros. La particularité de cette discipline, et c'est ça aussi qui fait la grosse différence avec l'hypnose, on va dire classique, c'est que là, ce n'est pas le client qui va rentrer en hypnose, mais un télépathe qui va le faire à sa place. Les séances ne nécessitent donc pas une, mais deux personnes. En général, il y a une personne qu'on va appeler l'opérateur, qui va être l'interlocuteur principal du client, qui lui va avoir pour mission de guider la séance et guider le télépathe, et le télépathe qui va se connecter aux vies antérieures du client, qui lui est en général allongé dans un lit, les yeux fermés, et qui va décrire tout ce qu'il voit, tout ce qu'il perçoit. Pour vous illustrer tout ce que je viens de vous expliquer précédemment, j'ai choisi de vous montrer une séance d'hypnose régressive ésotérique que j'estime être assez représentative de l'ensemble du délire. Donc dans cette séance, vous allez voir trois personnes. Il y a Léo qui est l'opérateur et qui donc va guider la séance, Stéphanie la télépathe et Cynthia la cliente. Donc Cynthia, c'est sa séance et elle a pas mal de problèmes. Alors je fais des crises d'angoisse qui provoquent, j'ai peur de rester seule du coup. Ça me déclenche aussi du coup des palpitations cardiaques. J'ai des douleurs physiques au cervical, au dos. J'ai une gêne du côté gauche. J'ai des menstruations douloureuses, des problèmes de vue et des absences régulières. J'ai la vue qui part en fait. Donc, du coup, je disais que j'avais aucune avancée professionnelle, que j'étais perdue, que c'est comme si on me bloquait genre pour que je trouve ça. Maintenant que Cynthia a exposé ce pourquoi elle est venue, elle va pouvoir couper son micro et Valérie la télépathe va pouvoir rentrer en hypnose guidée par Léo. Valérie ? Oui. Dis-moi. Oui, on va y aller. Cette grimace, pourquoi ? Ça me crie dans les oreilles. Mais bon. Ça te crie dans les oreilles ? Oui, oui, oui. Je suis déjà dans son espace avec elle. Ok. J'ai pris un peu de recul. Des petites insultes sympathiques. Une induction ou pas ? Oui, pour... Juste de trois pour... À peine Cynthia a fini d'exposer ses problèmes que Valérie la télépathe entend déjà des cris venant de la partie éthérique de Cynthia. Et trois... Valérie. Mm-hmm. Comment tu te sens ? Bien. Ces cris, est-ce qu'ils sont là, toujours ? Oui. D'où viennent ces cris ? Une ronde autour d'elle. Une ronde ? Mm-hmm. Une ronde de quoi ? De qui ? Une ronde de ce qu'on pourrait nommer comme des sorcières. Tu es avec, avec Cynthia ? Je suis pas sûre. C'est sa tête, mais il y a une robe de paysanne. Elle est plus petite.
touche-la, vérifie son, sa fréquence ADN. Le truc de la vérification de l'ADN, c'est un truc qui revient assez souvent dans toutes les séances que j'ai pu regarder, même chez d'autres opérateurs. En gros, dans la partie éthérique ou astrale, il y a beaucoup d'entités maléfiques qui peuvent usurper des identités, et donc c'est important de vérifier leur ADN pour être sûr de à qui on s'adresse. À la même fréquence qu'elle, mais c'est pas elle, il y a un truc qui diffère. Cette ronde autour, sorcière, tu me dis? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Humain, non-humain? Regarde. Humain. Et de temps en temps, il y en a une qui tourne la tête vers l'endroit où je me trouve et qui m'insulte. Mais il y a un truc qui cloche dans cette scène. Alors tu te déconnectes de cette scène. Et tu reviens dans un endroit neutre. Tu respires, tu augmentes tes fréquences. Ça aussi, vous verrez, l'augmentation des fréquences, c'est quelque chose qui revient dans plein de séances que j'ai pu observer. Augmenter ses fréquences, c'est assez magique, ça permet de résoudre plein de problèmes. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi est-ce qu'ils se mettaient pas leurs fréquences au max directement, parce que ça a pas l'air d'être très compliqué, ni de demander des efforts surhumains. Mais voilà, j'imagine que ça fait partie du show et du storytelling de ce genre de séance. Et tu me trouves, Cynthia, sa partie subtile. Elle est recroquevillée. Il y a quelqu'un, enfin je vois juste une main qui lui appuie sur la tête. Là j'ai eu mal physiquement. Regarde cette douleur de ton côté, la tienne. Ouais, c'est relié au nerf optique. Tiens, comme par hasard, alors que Cynthia avait justement un problème aux yeux. La cause. Elle. Et la main qui la tient. Cette main, qu'est-ce que c'est? Regarde. Une araignée derrière, qui porte des œufs. Dans le corps de Cynthia, est-ce que tu vois des œufs? Dans son utérus. Alors ça, je crois que ça s'appelle des ovules. J'ai fait un petit peu de SVT il y a un moment, mais j'ai de bon reste. Ok. Cette araignée, qu'est-ce que c'est? Décideur? Sous-fifre? Qu'est-ce que c'est? Elle me dit qu'elle décide tout, mais j'en crois pas un mot. Est-ce qu'il y a un chef? Il y a C'est un insectoïde. Ils travaillent chacun de concert, mais l'un n'est pas le chef de l'autre. Donc là, il y a un nouveau protagoniste qui est rentré en jeu, c'est un insectoïde. La mission de Léo, ça va être de savoir si Cynthia est vraiment la chef dans le plan Astra, si Cynthia est maîtresse de ses émotions, ou si une entité pourrait éventuellement la parasiter. Est-ce l'araignée? Est-ce l'insectoïde? Le suspense est total. Tu me laisses parler avec elle? Ouais. Alors je parle avec Cynthia. Cynthia. Oui. Bonjour. Oui. Que se passe-t-il? J'ai mal. J'ai très mal. Comme vous avez pu le voir, Léo peut très facilement s'adresser à qui il veut dans le plan astral à travers Valérie la télépathe. Bien. Cette douleur, regarde-la. Où est-elle dans ton corps? Cette main posée sur ma tête. Je vais compter de 1 à 3 et à 3. Tu ordonnes que cette main te lâche la tête. 1, 2. J'ai pas la force. Tu n'as pas la force? Je n'ai pas réussi. Ok, alors je demande à Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Donc là, on a assisté à une tentative de guérison, mais malheureusement, la version éthérique de Cynthia n'était pas assez puissante pour se débarrasser de la main qu'elle avait sur la tête. Alors, j'avance un petit peu dans la séance, mais voilà, il y a toujours cette araignée et cet insectoïde qui squattent dans l'entre-deux-vie de Cynthia, et Léo a décidé de parler en direct avec l'insectoïde qui s'avère être une sauterelle. 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 Plutôt menthe, pas sauterelle. Ah. Tu es sauterelle, menthe, c'est petit, ça se mange. Apparemment, tu es bavarde et tu as envie de parler. Oui, c'est amusant ce que tu viens de faire, mais ça ne me plaît pas du tout. Mm-hmm. Et quand tu demandes au chef de venir, ben c'est moi le chef ici. Je ne comprends pas pourquoi l'autre vient. Et tu as brûlé mes œufs. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je dois te le dire. Mais est-ce que tu Est-ce que moi, je me permets d'aller chez toi et de brûler ce que tu fais? Mais justement, est-ce que tu es chez toi ici? Là où je suis chez moi, oui. Et toi, est-ce que tu es chez toi ici? Mais je croyais que j'étais chez Cynthia. J'ai été invité par Cynthia. Pourquoi moi aussi? Dis-tu que c'est chez toi? Ben, je suis invité par Cynthia, donc c'est un peu comme chez moi. Comment traites-tu tes invités, toi? Puis Léo s'est adressé à l'araignée et lui a fait comprendre qu'elle devait partir du plan astral de Cynthia. Tu as compris que tu vas devoir aller le faire ailleurs. Ouais, c'est vrai. Dommage. L'énergie
Cette conscience est usée de toute façon. Bien, allez, parlons avec Valérie. Valérie, déconnecte. Bon voilà, j'ai dû vous résumer un petit peu la séance parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Je sais que ça reste un petit peu confus, mais la bonne nouvelle c'est que tout est bien qui finit bien pour Cynthia. Elle a eu les réponses qu'elle souhaitait, donc ça, c'est l'essentiel. L'autre spécificité de cette séance, c'est que Cynthia, en fait, elle avait fait une autre séance avec un autre opérateur. Et en fait, Léo a découvert que l'autre opérateur, donc son confrère ou son concurrent, je ne sais pas, il avait mal fait son travail parce qu'il s'était fait berner par une entité maléfique qui avait pris l'identité de Cynthia version éthérique. Et oui, et donc la séance n'avait servi à rien. Alors que Léo et Valérie, eux, à force de vérification et de travail très scrupuleux, eh ben ils se sont pas fait avoir par l'entité et ils ont pu apporter un vrai soin à Cynthia. Quelle aventure, n'est-ce pas? En tout cas, je vous avais promis un grand délire, je pense que je ne vous avais pas menti. Je partage avec vous ce commentaire qui était sous la séance de Cynthia. Bonsoir, encore un très bon travail fourni par le duo. Valérie a su déjouer la ruse avec la fausse Cynthia. Ses interférences ont créé des choses très très tristes pour la jeune Cynthia. Je me rejoins à Audrey. Top travail Valérie et Léo. Grâce à votre travail, Cynthia pourra enfin avancer librement. Bisous à vous deux. Je vous ai partagé ce commentaire parce que ça me fascine de voir qu'il y a des gens qui sont complètement à fond sur ce type de pratique. En fait, ils regardent des séances qui durent 2 heures sur YouTube de une nana qui est allongée dans un lit et qui raconte absolument tout ce qui lui passe par la tête. Mais bon, après, qui suis-je pour douter des capacités surnaturelles de Valérie? Je ne suis personne. Bon, si ça peut vous rassurer, sur les gens qui pratiquent ce type d'hypnose, il y a quand même un petit disclaimer. L'hypnose régressive ésotérique n'est pas une thérapie ni un soin, elle ne garantit aucune guérison et ne se substitue en aucun cas à un traitement médical quelconque. L'opérateur n'est pas un thérapeute ni un médecin. Mais alors du coup, on peut se demander à quoi ça sert si ce n'est à se délester de 250 balles. Et ben la réponse elle est simple, ça sert à se faire kiffer. Et c'est exactement ce que j'ai fait, je me suis fait kiffer. Parce que rappelez-moi combien on a de vie. Bah voilà. Donc j'ai envoyé un petit mail pour prendre contact avec Léo, je lui ai dit que j'étais intéressé pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique, il m'a dit pas de problème, on a convenu d'une date, et j'ai dû lui envoyer la liste des problèmes que j'avais et pour lesquels je voulais faire cette séance. Voilà un petit peu ce que je lui ai mis, j'ai l'impression que mon succès dans la vie professionnelle suscite de la jalousie, j'ai des visions et des rêves récurrents, la plupart de mes proches vibrent à très basse fréquence, j'ai du mal à m'attacher et à construire une vraie relation car je suis agressif, sur le plan physique je dors mal, j'ai de nombreux ballonnements intestinaux normaux, et j'ai parfois les yeux qui se mettent à vibrer, ça me fatigue beaucoup. Donc j'ai évidemment tout inventé, à part les ballonnements intestinaux, mais pour ça, il y a le smecta. Quelques semaines plus tard, le jour de la séance est arrivé. Comme dans la séance que je vous ai montré juste avant, j'ai passé les 10 premières minutes à redire un petit peu tous les points pour lesquels j'étais venu, et ensuite, Stéphanie, la télépathe du jour, s'est connectée à mon moi éthérique. Stéphanie ? Oui ? Comment tu vas ? Ça va. Est-ce que tu y es déjà ? Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, la première chose que je perçois, c'est Charlie sur une barque, sur une mer très, très mouvementée. C'est assez sombre et il est seul. Et c'est comme s'il était parti à la recherche de qui il est. Il est seul sur cette barque à ramer, oui, au milieu de rien, dans cette mer très agitée. Agitée. Depuis combien de temps il fait ça, en temps terrestre? 5 ans. Est-ce qu'il sait qu'on est là? Oui. Première chose que Stéphanie perçoit, c'est moi qui suis en train de ramer depuis 5 ans dans une espèce d'océan agité. C'est sans doute une métaphore de la vie chaotique que j'ai décrit un peu plus tôt, et il faut reconnaître que c'est très très bien vu. Tu vas observer son espace en prenant une perspective. Si tu as besoin, tu augmentes tes fréquences légèrement pour avoir une autre perception. Oui, je le vois pleurer. Je le vois pleurer, je peux ressentir sa tristesse. Il pleure, mais il a envie de se battre, de combattre. C'est comme s'il devait combattre des ennemis. Et que parfois, il peut être son propre ennemi. Il est toujours sur cette barque? Non, là, je le vois plus sur la barque. Là, il est dans une pièce, mais c'est toujours une pièce sombre. Donc, je ne peux pas identifier si c'est quelle pièce, de quelle pièce il s'agit. Toujours dans le présent. Dans cette pièce, est-ce qu'il il nous voit? Alors oui, il nous voit, mais il est trop préoccupé pour vraiment attacher son attention. Je le vois aussi
tourner des pages de livres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. C'est comme s'il absorbait tout ça et que tout se mélangeait. Dis-lui de s'arrêter un moment. C'est bon, s'arrête. À ce stade, je vois deux infos qui se dégagent. Déjà, c'est que mon moi éthérique est très érudit, il a l'air de beaucoup lire, de passer du temps à la bibliothèque, contrairement à mon moi physique, qui lui passe son temps sur League of Legends. Je soupçonne mon moi éthérique cependant d'être un incel. L'autre info, c'est qu'il est très docile, il obéit quand on lui dit de s'arrêter, il s'arrête, c'est un bon toutou assez soumis. Demande-lui de faire quelque chose pour nous. Je voudrais qu'il éclaire cet endroit. Oui, c'est fait. À quoi ça ressemble ? Un bureau. Je vois des livres partout. Des piles, des monticules de livres. Est-ce que pour lui, il y en a qui sont plus importants que d'autres ? Aujourd'hui, oui. Parmi ces livres importants, tu en isoles un, au hasard. Un livre important, et tu me lis le titre. Qu'est-ce que c'est ? C'est la Bible. Quand je dis ça, je vois des moines. Oui, je vois des moines. Je me retrouve là dans un monastère. Quelle année ? 1863. Quel lien entre cette scène et ce livre dans le présent, sur ce bureau ? Comme s'il devait partir, comme si là, aujourd'hui, il y avait une partie de lui qui était partie à la recherche de tout ça. J'ai l'image de recréer un pont, un besoin de se reconnecter avec quelque chose qui l'anime, qui fait partie de lui. Et puis Charlie, aujourd'hui, dans sa vie, est aussi un peu ce moine qui s'isole. Ok, donc retour au présent après l'histoire du moine. En gros, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle met juste en image tout ce que je lui ai dit dans la partie où j'exposais mes problèmes. J'ai des livres un peu plus scientifiques aussi. Parce que Charlie a besoin d'avoir des preuves scientifiques. Il a besoin d'avoir presque des preuves de ce qu'il pourrait ressentir. Il faut qu'il mette des mots sur les choses. Livre scientifique, besoin de preuves, je crois que Stéphanie m'a bien cerné, elle a bien cerné mon côté très cartésien, parce que il est vrai que j'ai des petits doutes sur ses capacités télépathiques, parce que si elle était vraiment télépathe, est-ce qu'elle aurait pas perçu que tout ce que j'avais raconté dans ma liste de problèmes était de la pure invention ? Je vous accélère un petit peu la suite, mais en gros, après avoir analysé un autre livre dans lequel mon moi éthérique apprenait des tours de magie, Léo a décidé d'accélérer un petit peu le schmilblick. Est-ce qu'il est seul dans cet espace ? Voilà, tout de suite, je vois toujours cette lumière là dont il parlait. Est-ce que cette lumière distille des informations au moment où on se parle ? Non, elle est là. Est-ce qu'il sait qu'elle est présente, cette lumière ? Non. Non ? Non. Montre-lui. Comment il réagit à ça, à cette présence ? Il est à la fois surpris et émerveillé. On va faire quelque chose, ça va, je pense que ça va satisfaire sa curiosité. Tu vas lui dire de toucher cette lumière ? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il la touche ? Elle se transforme. Elle grandit en un immense dragon. Comment il réagit quand il voit ça, ce dragon ? Il se cache parce qu'il a peur. Et oui, cette lumière était en fait un dragon dont les intentions ne sont pas claires. Charlie ? Oui, c'est quoi ce truc ? C'est la lumière. C'est pas possible. Ah bah si, tu vois. C'est pas possible. Tu as peur ? Oui, j'ai peur. De quoi tu as peur ? J'ai peur qu'elle m'attrape. Ce dragon n'était en fait même pas le chef de mon espace éthérique. Le vrai chef, c'est en fait un démon qui, vous allez le voir, est bien plus terrifiant. Donc tu pensais que c'était une lumière ? Oui. Et tu vois, il t'a suffi de la toucher pour te rendre compte que ce n'en était pas. Lis ses intentions, tu peux le faire. Accaparer mon espace. Est-ce qu'il a un chef ? Me détourner. Oui. Appelle-le. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Plus gros celui-là. Qu'est-ce que c'est ? Et comme un reptile, mais de couleur noire. Il est noir, avec des grands yeux verts. Et il est gros, très gros. Il a un nom ? Orcalia. Laisse-le passer. Je vais parler avec lui. Orcalia. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que c'est toi le chef ? Oui, c'est moi le chef.
Est-ce que tu as un chef au-dessus? Et alors? Non. Donc je parle au patron. Je suis le chef. Qu'est-ce que tu fais ici? Sur Charlie, avec Charlie? Oh, j'ai même pas te répondre parce que tu sais en fait. Là où nous sommes, dans cet espace, c'est plutôt Charlie, le chef. Je crois qu'il le sait pas encore. Charlie, le chef, laisse-moi rire. Je suis le chef, je vais pas te le dire 50 fois, c'est moi le chef. Tu veux qu'on essaye? Tu veux qu'on s'amuse? Essayez quoi? Maintenant, je dois vous prévenir, mettre un petit disclaimer, mais vous allez assister à une scène d'une rare violence, ainsi qu'à un grand moment d'acting. Donnez un César à Stéphanie, s'il vous plaît. Je vais dire à Stéphanie de montrer à Charlie comment augmenter ses fréquences. Et vu que tu passes par Charlie, ses fréquences vont passer par toi. Ok ? Il le fait maintenant. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ça me fait mal. Pour un chef, tu n'es pas... Tu m'as l'air bien soumis. Arrête, tu m'énerves. Est-ce que t'en veux encore ? Non, ça ira. Ok. Je dis à Charlie d'arrêter. Est-ce que tu es le chef dans cet espace? Est-ce que tu es le chef dans cet espace? Dans l'espace de Charlie? Non. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Comment tu te sens, Stéphanie? Ça va. Ça va? Oui. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'équilibrer tes fréquences ou pas? Non, c'est bon. C'est... Voilà, c'était un petit résumé de la première demi-heure de la séance qui a duré au total 1h30. Le meilleur passage étant bien sûr le combat avec Orcalia. Mais pour les petits curieux, je vous mets l'intégralité de la séance sur ma chaîne secondaire. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Dans cette nouvelle partie, on va voir un autre usage possible de l'hypnose régressive ésotérique. Comme vous avez pu le voir, on peut se connecter à peu près n'importe quoi grâce à cette méthode. Et à trois, je voudrais que tu te connectes à ce que l'on appelle le... changement climatique. Fort de cette constatation, il y a pas mal de praticiens de l'hypnose régressive ésotérique qui s'en servent pour essayer de mieux comprendre certains événements de notre histoire ou certains phénomènes qu'il peut y avoir sur Terre. Enquête sur Halloween, enquête sur la magie de la forêt de Brocéliande, enquête sur Poséidon, enquête sur la dune du Pila et les feux de forêt, enquête sur les cités HLM, ou encore une enquête sur Michael Jackson qui, si ça peut vous rassurer, est bel et bien vivant. Alors, première question, effectivement, est-il toujours vivant ? Il dit oui. Donc c'est donc Michael Jackson comme on l'a connu, peut-être qu'il est dans un pays quelque part sur Terre. Est-ce qu'il peut nous dire ? Il dit que oui, mais il peut pas tout révéler. Après, la plupart des gens qui pratiquent ce type d'enquête mettent eux aussi des disclaimers comme s'ils étaient conscients de l'énorme bullshit que tout ça représente. Merci de prendre du recul sur toutes les informations récoltées. Nous rappelons qu'il est important d'utiliser son propre discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous et qui vous aidera dans votre développement personnel et spirituel. À croire que même ceux qui pratiquent cette discipline sont complètement lucides sur l'énorme bullshit que ça représente. Après avoir consulté énormément de chaînes différentes d'hypnose régressive ésotérique, je suis tombé sur celle qui allait devenir mon enquêteuse préférée. Elle s'appelle Rachel, et je sais même pas par où commencer pour vous la présenter. Rachel, elle utilise l'hypnose régressive pour faire des séances comme ce qu'on a vu, mais aussi pour mener des enquêtes et découvrir des vérités sur notre monde. Et des vérités, je peux vous dire qu'elle en a découvert un sacré paquet. Et là, les amis, on arrive à un croisement. Le croisement entre le plus haut niveau de bullshit spirituel possible et le plus haut niveau de complotisme possible. Je vous ai fait une petite compilation non exhaustive de plein d'informations que Rachel a obtenues en enquêtant sous hypnose régressive ésotérique. Je tiens à vous prévenir que vous ne verrez plus jamais le monde pareil après avoir entendu ça. Vous allez sortir de la matrice. Donc bonne chance, see you on the other side. Donc là, je demande au télépathe de se connecter sur un HF200. Donc l'homme du futur dans 200 000 ans. Romy dit qu'on a très mal tourné, qu'ils n'auraient jamais dû avoir ce physique, qu'ils sont venus prévenir pour changer le futur. Et eux, ils ont de la technologie pour remonter le temps. Oui. Comment ils font? Il existe des portes interdimensionnelles
Donc je fais une aparté. Il y a des enfants qui naissent actuellement avec des yeux où tout l'intérieur est noir. Voilà, ça c'est pas dit aux médias, mais je vous le précise. Il y a une cinquantaine de HF200 qui vivent maintenant en Russie. Hein, on a compris ça. Poutine, il leur a installé voilà, un endroit où ils peuvent vivre. Bah, si la bombe nucléaire elle arrive, sachez que c'est pas Poutine qui l'enverra, mais c'est les nazis, sous faux drapeau. Les gens normaux non-vax ont-ils allé sur cette nouvelle terre? Bah, le problème, ça dépend. Ça dépend de ce qui va se passer. Hein. Parce que les non-vax, c'est pas parce qu'ils sont non-vax qu'ils vont aller sur la nouvelle terre. Hein. C'est si la cabale disparaît. On ira tous sur la nouvelle terre. Hein. Sinon, on va rester là. Hein. Les chemtrails, bah oui, ils nous bombardent de chemtrails. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Du barium, voilà, c'est pour nous affaiblir. Hein. Est-ce qu'il est vrai que le test PCR sert aussi à vacciner? Oui, malheureusement. Ouais. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à faire des sorties de corps, à connecter avec son moi supérieur. Avant, les Atlantes, ils pouvaient faire ça facilement. Hein. Ils se barraient en 5D, ils changeaient de dimension comme ils voulaient avec leur corps éthérique. Ils faisaient même l'amour en 5D. Ils sortaient de leur corps physique, ils faisaient l'amour en 5D, ils revenaient dans leur corps physique. Donc ça servait de préservatif, quoi, ou de contraception. Donc là, on aborde ce thème que la Terre, elle est plus grande. Donc en réalité, ce n'est pas, le nom n'est pas correct, hein, c'est Gaïa. Là, c'est un globe géant. Et nous, on serait en fin de compte au-dessus de Gaïa, sur le continent Terre, entouré de glace. Et il y aurait donc plusieurs continents comme ça sur Gaïa. Il y aurait un soleil qui tournerait autour de Gaïa. Donc là, ce soleil, ce sont les hyperboréales qu'on voit quelquefois dans l'année. En réalité, ça ne sort pas de la Terre, c'est pas un soleil intra-Terre, mais c'est un soleil à l'extérieur de Gaïa qui tourne. Donc ça, c'est le soleil où vivent les hyperboréens, donc les géants qui ont vécu aussi sur Terre à une époque lointaine. Il y a certains arbres, enfin des collines ou des montagnes, on nous fait croire que ce sont des montagnes, mais en réalité ce sont des arbres géants qui ont été coupés. Ça, ce sont des vestiges de l'ancien monde, puisque dans une des séances, dans une des enquêtes sur le gigantisme justement, on apprend que la source est descendue pour demander aux géants qui vivaient là, les Imbao je crois, de quitter ce lieu pour faire la place aux humains. Gros respect à tous les Imbao qui regardent cette vidéo et s'il vous plaît les jeunes, faites l'amour en 5D, c'est le seul moyen de contraception efficace à 100%. Après m'être regardé énormément de vidéos de Rachel, j'ai commencé à m'éveiller sur la vérité sur notre monde. Mais j'ai voulu en savoir encore plus, pour ça je suis allé sur le profil VK de Rachel. VK c'est le réseau russe sur lequel il n'y a aucune censure et sur lequel se terrent énormément de complotistes et compagnie. Et sur VK, sans surprise, elle est là aussi en roue libre totale, elle partage par exemple des vidéos censées prouver que les dragons ont réellement existé, et elle précise qu'il faut regarder Game of Thrones non pas comme une fiction mais comme un documentaire. Elle relaye évidemment des théories complotistes assez classiques comme les chemtrails. Les chemtrails, pour ceux qui savent pas, c'est qu'en gros les fumées que vous voyez dans le ciel des avions, ce seraient en fait des produits chimiques destinés à nous contrôler. Elle partage aussi des vidéos censées ne pas être des fakes sur des humains du futur. Je vous mets un peu la gueule des vidéos pas censées être des fakes. Cette vidéo montre l'interrogatoire d'un extraterrestre capturé dans la zone 51. Elle est sous-titrée en français. Regardons-la. Elle partage aussi le fait qu'il y ait des enlèvements de bébés pour nourrir les hybrides. Fort de ce portrait, est-ce que j'avais vraiment le choix? Est-ce que j'avais le choix de ne pas relâcher 200 euros pour booker une séance avec Rachel? La réponse est évidemment non. Évidemment que j'avais pas le choix. J'ai donc fait chauffer la CB et j'ai booké une séance avec Rachel. La différence avec la séance précédente, c'est que cette fois, je vais rentrer en hypnose moi-même. Pas de télépathe, Rachel sera là uniquement pour me guider à travers mes vies antérieures. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas apte à faire une séance sans télépathe. Pour savoir si on est apte, il faut faire ce qu'on appelle un test d'induction. Le test d'induction, il est assez simple, c'est juste une vidéo de 4-5 minutes sur la chaîne de Rachel qu'il faut regarder quand on est tout seul, et en fonction de ce qu'on a vu, on est apte ou non à se passer du télépathe. Je me suis filmé en train de faire le test, voilà à quoi ça ressemble. On va donc faire le test pour voir au niveau de la suggestibilité, si vous pouvez faire la séance seule ou accompagnée d'un canal. On va commencer par détendre le corps lentement, sans que ton corps lentement devienne plus lourd.
Il devient de plus en plus lourd. De 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. 9. Maintenant, je vais demander d'imaginer que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor avec plein de portes. Et si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce corridor. Maintenant, tu vas te laisser guider. Il y a peut-être une porte qui va être plus claire qu'une autre. Peut-être qu'elle va être différente d'une certaine façon. Peut-être que tu vas juste sentir que c'est la bonne porte. Prends un moment et regarde si une porte attire ton attention. Maintenant, tu vas t'approcher de cette porte qui attire ton attention. Et plus tu te rapproches et plus tu la perçois clairement. Maintenant, regarde si cette porte, elle a une poignée. Et si elle a une poignée, observe-la. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Ouvre tes yeux lentement. Après ce test au cours duquel j'ai regardé une poignée de porte, j'ai donc envoyé ce que j'avais vu par mail à Rachel pour qu'elle puisse déterminer si j'étais apte ou non à faire la séance sans télépathe. J'ai essayé de donner un petit peu des détails et des couleurs pour faire genre j'avais vu des trucs, mais globalement, à part voir un corridor et des portes, sachant que c'est exactement ce qu'elle nous demande de visualiser, je vois pas trop ce qu'on peut répondre d'autre. Bon, pas la peine de faire du suspense, mais j'ai passé le test haut la main, je suis donc apte à faire la séance tout seul. Le jour de la séance est enfin arrivé. Pendant les 10-15 premières minutes, on a pas mal papoté avec Rachel et j'ai appris des choses intéressante. Après, il faut savoir qu'il y a quand même 85% de PO hein, sur Terre. C'est portail organique, c'est ça ? Voilà, les PO, c'est bah, le lambda qui va regarder les informations, qui va gober ouais. tout ce qui se passe, qui va aller se faire vacciner parce qu'on lui dit d'aller le faire. Un PO, il va avoir entre 10 et 15% d'ADN reptilien. Ah, okay oui, parce qu'il y a eu du mélange d'ADN. Donc, tu as les adamiques. Donc ça doit représenter entre 5 et 10% d'adamiques. Eux, ils ont 5% d'ADN reptilien maximum. Donc c'est beaucoup un peu les babacools, ceux qui ne mangent pas de viande, qui sont pacifiques. Okay. Ça, c'est vraiment les adamiques de base, on va dire. Ils n'ont pas été trop corrompus par l'ADN reptilien. Et vous, vous êtes plutôt PO ou adamique? Dites-moi en commentaire. Ensuite, j'ai quand même voulu savoir comment on faisait pour savoir si on avait de l'ADN reptilien, et la réponse était au final assez simple. Ah, ça, oui, c'est qu'en hypnose, on pose la question. Hein. On pose la question au moi supérieur, on demande quel est ton ADN, combien tu as en pourcentage d'ADN reptilien. D'accord, ok. Ensuite, elle a lu toute la liste des problèmes pour lesquels j'étais venu et que je lui avais envoyé en amont, comme pour Léo. J'ai la sensation d'être incompris. Le fait que je sois HPI doit jouer. Et je suis très souvent ballonné, intestin anormalement fragile, beaucoup d'aft également, cavité nasale gauche anormalement grande. J'ai été addict à divers drogues, sucre raffiné, crocodile. J'ai été un bon soldat du système pendant pas mal d'années. Alors je déteste mon père, c'est un stéréotype de l'alpha ultra viril. Quand j'étais petit, il m'a forcé à tuer mon chat Yuki, soi-disant parce qu'il était malade. Là aussi, évidemment, tout est faux. Mon chat Yuki va évidemment très bien et mon père, lui, est mort depuis longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir, Charlie, c'est que toutes les personnes qui vibrent haut, qui sont venues s'incarner sur Terre, qui ont une mission bien particulière, par exemple, elles sont hyper attaquées dans la 3D. Tu peux même te retrouver dans une famille qui ne te convient pas, justement pour te casser, pour te briser, pour pas que tu puisses, toi, t'expanser comme tu aurais dû l'être. J'ai demandé à connaître ma fréquence vibratoire. Donc t'es à 140 000, donc t'as un très bon taux vibratoire. Donc. Alors, c'est qui le boss, 140 000? Pas mal, non? J'ai quand même voulu savoir comment elle faisait. C'est ça, c'est la planche de Bovis. Et t'as le pendule. Par exemple, mon télépathe, il va vibrer à 100 000, au minimum. Vous, en tant que Kingos Quinos, je pense que vous êtes autour des 100K, mais méfiez-vous quand même, parce que je pense que les gens autour de vous sont des PO. Pour commencer, elle a voulu qu'on parle de mon chat, et elle m'a demandé de me connecter en troisième personne à la scène où mon père me demande de tuer mon chat. Alors, tu vas prendre de la distance avec cette scène. Okay. Tu vas la regarder comme si tu étais au cinéma, comme un spectateur, sans ressentir. D'accord? Ok.
Et toi, tu as la possibilité de mettre en accéléré ou bien de ralentir la scène. Tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Ensuite, pour toutes les questions qu'on me pose, la réponse est super simple, je n'ai qu'à inventer la réponse. Alors dis-moi, comment tu te vois ce jour-là? À quoi tu ressembles? J'étais plus jeune, assez frêle. J'ai mon père qui est à côté de moi et qui me parle de façon très sûre de lui. Mmh. Moi, je suis pas sûr de moi. Bah. Ton père, tu te connectes ouais. sur sa partie subtile. Ouais. Okay. Demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas été chez un vétérinaire pour le tuer. Pourquoi est-ce qu'il emploie la manière dure quoi. Il dit qu'il veut faire de moi un homme. Alors évidemment, les gens qui pratiquent ça sérieusement partent du principe que quand on est dans cet état d'hypnose, on perçoit des choses. Moi, je peux vous assurer que je n'ai absolument rien perçu. Et alors déjà que moi, je perçois rien dans mes vies antérieures à moi, croire que des télépathes se connectent aux vies antérieures des autres... Du coup, on en arrive à comment guérir ce fameux trauma de mon père qui m'a forcé à tuer mon chat. Pour ça, il faut déjà le visualiser. Et ce traumatisme, tu le ressens où dans ton corps, ce traumatisme? Boule au ventre. Ouais. Ensuite, on a un choix très difficile qui s'offre à nous et la question n'est pas du tout orientée. Est-ce que tu souhaites la garder, cette peine, ou bien t'en libérer à présent? Je dirais plutôt l'en libérer. Bien. Tu veux faire de cette peine, est-ce que tu veux la désagréger ou bien la remplacer? Non, je veux la détruire. Alors, tu ouvres un portail et tu la jettes à l'intérieur. Tu t'en libères totalement de cette peine. Elle n'est pas facile à mettre dans le portail, mais je crois que c'est bon. Il suffit simplement de le vouloir, ok? C'est ouais, bon okay. Tu t'en es débarrassé ouais. Et oui, il y a juste à mettre le trauma dans un portail énergétique, refermer derrière... Et bon débarras. Ensuite, on a fait un tour dans mon entre-deux-vies, et là, bah, j'ai dû improviser et j'ai raconté n'importe quoi. Mais bon, Rachel en a vu d'autres, rien ne l'a perturbé. On va aller dans l'entre-deux-vies maintenant, avant que tu t'incarnes en tant que Charlie. Retourne dans l'entre-deux-vies et dis-moi à quoi ça ressemble, ce lieu. Je le vois dans une espèce de temple asiatique, un truc comme ça, je sais pas si ça a du sens. Mais... Est-ce que tu es seul ou bien tu es accompagné avant ton incarnation? Il y a une dame. Ouais. Comment elle est, cette dame? Elle a l'air gentille, travailleuse. Alors, demande-lui son prénom. Feng Tu, elle me dit. Fais-nous tout. Feng Tu, j'imagine que c'est asiatique. Là, elle a cherché à expliquer la présence de Feng Tu, mais on n'a pas trop trouvé. C'est peut-être moi qui manquais d'inspiration aussi, parce que c'est le problème quand on raconte absolument n'importe quoi. Pour ceux qui ne suivent pas la chaîne depuis très longtemps et qui ne savent pas qui est Feng Tu, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos qui parlent de FYGames.net, qui est un partenaire privilégié de cette chaîne. Ensuite, elle m'a demandé de voyager dans mes vies antérieures, et là aussi, j'ai dû improviser. Bien. Alors, combien as-tu eu de vies avant de t'incarner en tant que Charlie? J'entends 4. 4 vies. Alors, est-ce que tu peux nous montrer celle qui a eu le plus d'impact sur toi, celle la plus intéressante à voir? C'était un autre homme, plus musclé, plus sûr de moi, plus... Ouais. Presque un guerrier, quoi. Mm-hmm. Un guerrier. Mm-hmm. Je vois une espèce de... quasiment de viking avec un tatouage, une barbe qui court dans un... dans un beau décor, une belle plaine. Il s'appelle David, il me dit. Alors regarde, est-ce que là bah, où tu es, est-ce que tu peux récupérer justement bah, cette force? De prendre de la force d'une ancienne vie pour ouais, moi, ouais. Tu peux pas égoïste? Non, tu peux te reconnecter à cette vie-là et à te charger positivement en force. C'est toi, c'est une partie de toi, tu comprends? Tu peux pomper dedans. Ce qu'il faut savoir, Charlie, c'est que le temps, le futur, le présent, le passé, c'est sur la même ligne de temps. Toi, d'accord. Tu existes en tant que David sur une autre ligne de temps, là. Et David, okay. Il accepte de te donner un peu de sa force pour que toi, tu ailles mieux. Si toi, merci. Tu vas mieux, lui, il ira bien aussi. Tu comprends? L'objectif de ce voyage était donc que je puise la force de mon moi antérieur pour la ramener à mon moi actuel. Si t'as une ligne de temps où il y a une partie de toi qui va mal, eh bien tu peux te faire aider par tes autres parties de toi-même qui vivent dans d'autres dimensions.
pour pouvoir avancer sereinement dans ta vie de Charlie. Lui, il va se recharger d'une autre façon après, t'inquiète pas. Si jamais vous vous sentez seul dans la vie, que ça va mal, que vous avez besoin de parler ou que vous avez besoin de quelqu'un pour faire une raclette, eh ben, c'est tout simple, vous avez juste à demander à votre vous antérieur. C'est quand même super pratique. Avant de quitter David, il m'a transmis un enseignement que je tenais à vous partager. Est-ce qu'il a un conseil à te donner, David ? Il me rappelle que j'ai qu'une vie et qu'en fait, ma deuxième vie va commencer quand j'aurai compris que j'en avais qu'une. Je m'arrête là pour cette séance parce que là aussi ça a duré quasiment 2 heures et là aussi je vous mettrai l'intégralité du replay sur ma chaîne secondaire. Mais pour résumer, on a pris point par point tous mes problèmes et on leur a trouvé une solution éthérique. La séance s'est finie par un soin énergétique pour éliminer mes derniers blocages. Bien. J'espère. Alors on va aller en zone de nettoyage maintenant. Tu vas imaginer un lieu où tu vas pouvoir te nettoyer et te régénérer, Charlie. Dis-moi à quoi ça ressemble. Une douche italienne. Donc tu vas recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de ta tête. Ouais, c'est magnifique. Et tu vas baigner dans cette énergie christique. L'eau, elle est dorée presque. Tu te nettoies, tu te régénères dans ce lieu. Après cette bonne douche dorée à l'italienne, Rachel a repris mon taux vibratoire et la magie. Alors, je vais reprendre ton taux vibratoire maintenant, Charlie, pour voir à combien tu es, maintenant que tu es nettoyé. À 175 000. Oh, c'est génial. Ouais, c'est énorme. T'as un superbe taux vibratoire. Avec un tel taux, je peux très facilement faire de la télépathie, procurer des soins énergétiques, faire du magnétisme, etc., etc. Et du coup, ça m'a donné une idée. Après avoir fait ces 2 séances, j'en suis arrivé à 2 conclusions majeures. La première, c'est que ces télépathes n'ont en fait absolument aucun don, ils ont juste un petit peu d'imagination, ils racontent juste tout ce qui leur passe par la tête. Et la deuxième conclusion, c'est que du coup, moi aussi j'ai de l'imagination, donc moi aussi je peux raconter tout ce qui me passe par la tête. J'ai donc l'immense plaisir de vous annoncer que je me lance aussi dans le business de l'hypnose régressive ésotérique. Je vais donc proposer des séances d'HREE, hypnose régressive ésotérique expéditive, parce que j'ai pas le time. Je vais donc vous proposer des séances un petit peu plus courtes de 25-30 minutes dans ces eaux-là. Pour booker des séances d'hypnose régressive ésotérique expéditive avec moi, c'est tout simple. Je vous ai rassemblé toutes les informations sur mon site Babor Hypnose, dont je vous mets là aussi le lien en description. J'ai décidé de facturer mes séances au prix fixe de 40 euros. On fera 20 euros pour moi, 20 euros pour le télépathe, car évidemment, je ferai appel à des télépathes de très très haute qualité. Faites-moi confiance. Pour ceux qui auraient quand même le doute, non, ce n'est pas une blague. Je vais vraiment proposer des séances d'hypnose régressive ésotérique à qui voudra, parce que je me dis que quitte à se faire arnaquer, bah autant que ce soit par moi. Bon, alors évidemment, je ne vais vous guérir de rien, ne mettez cet argent que si ça vous fait marrer de passer un bon moment avec moi et un télépathe. Je pense aussi que ça peut faire des cadeaux rigolos d'anniversaire, de Noël ou de première communion. En tout cas, voilà, vous savez où est le site, je vous laisse en faire ce que vous voulez. Voilà, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je suis quand même intimement convaincu que tout ça est une vaste blague. Je pense que les gens qui croient en ces trucs sont très naïfs et feraient mieux de mettre leur argent dans des vrais soins et d'aller voir des vrais professionnels. Mais si après il y en a pour qui ça marche par effet placebo, franchement, tant mieux pour eux. Même si je crois pas trop à tout ça, quand cette vidéo sera publiée, je pense que je vais quand même pendant un temps porter un petit chapeau en papier alu pour me protéger de Stéphanie et Valérie, les télépathes dont je me suis un petit peu moqué, parce que je veux pas qu'elle puisse accéder à mon moi éthérique pour lui faire des olives. Sur ce, j'espère que cette enquête vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner, sinon je serai obligé d'envoyer des insectoïdes aller chier dans vos chaussures éthériques, et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous voulez. Et maintenant, déconnecte. Et n'oubliez pas que vous pouvez aider le fantôme de CyberGhostVPN à rejoindre enfin le monde des morts. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description et bénéficier de 83% de réduc, soit 2,03 euros par mois avec 4 mois gratuits. Donc allez, on va s'abonner à CyberGhostVPN. Ciao, bye bye, à la prochaine.